Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue à la Playroom sur l'épisode 2 Robocraft. Donc chers amis, on repart cette fois-ci avec le sniper. Ça fait extrêmement longtemps qu'on l'a pas pris. Vous rappelez qu'il n'est pas... Enfin, je me rappelle pas qu'il soit si efficace que ça. Surtout que maintenant qu'il y a les... les fameuses DCA à 11 millions là, ou à 10 millions, je ne sais plus. Bah je pense qu'ils ont dû le nerf, malheureusement. Donc bon, je sais pas trop ce qu'on va en faire. Est-ce qu'il faudra revendre les snipes? Parce que je vous rappelle que les snipes font moins de dégâts que les... Enfin, il y a beaucoup de choses qui font moins de dégâts que les SMG, de base, normalement. Donc maintenant c'est à voir, hein. C'est à voir. Je ferai sans doute un live assez rapidement sur Twitch. Attention, incroyable. Sur du Robocraft avec vous. Potentiellement, je le tournerai en même temps. Donc ça, on verra bien le moment venu. Puis on verra bien ce que ça va donner, hein. Écoutez. Peut-être que je le tournerai en même temps. Et peut-être aussi, au passage, que... il sera d'une durée d'une heure. Je pense. Ce sera peut-être pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Comme ça, je pourrais tourner avec plusieurs personnes. Enfin, pour dans le sens tourner, bien sûr, je parlais tourner. Faire des cycles, entre guillemets. C'est-à-dire, je prends une personne avec moi, parce que bon, je ne sais plus combien de personnes il faut dans un. Comment ça s'appelle? Enfin, dans un groupe, là. Je sais plus comment ça s'appelle. Donc, je ne sais plus combien de personnes il y a maximum. Surtout que mon VIP commence à descendre. Hein. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas fait de. Dumble Bundle avec Robocraft. Donc voilà, bah écoutez, on verra bien et puis on verra ce que ça va donner. Alors par contre, de là à savoir quand est-ce que je vais le faire, potentiellement un soir, on verra bien. Un soir où je n'aurai pas tourné de Robocraft, ce qui permettra d'avoir en fait tous mes robots disponibles. Ok, c'est parti. Ah oui, c'est ça, je m'en rappelle. Le gros défaut de ce vaisseau, c'est qu'il glisse vers le haut sans cesse. Ok. Alors je tiens à préciser que le jeu pour moi est dans la meilleure qualité qui soit. Hein. Mais bon, apparemment ça ne changera pas grand chose maintenant. Hop. Mais il semblerait que eux me voient de plus loin. Ah, écoutez, s'il y a la modification d'affichier de paramètres, écoutez, je serais ravi de la connaître. Ok. C'est génial, hein. L'ennemi qui disparaît tout bonnement. Mais j'ai un sniper, hein, bien sûr, chers amis, ne inquiétez pas, hein, ça va se faire. Alors, il semblerait qu'ils veulent pas des masses voler non plus, hein, maintenant. Avant, il volait pas bien. Mais alors là, il vole plus du tout. C'est génial. Ils sont tous là.
Ils sont tous là. Aïe. 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 Mais qu'est-ce que vous branlez tous là-bas? Ils sont sur le point, bande de nazes. Ils vont le récupérer dans 2 minutes. Non, ça va, en fait, ils sont pas trop... Ah si, ça y est, il y en a un qui s'est dit qu'il faut peut-être que je prenne le point. Bon, c'est pas grave, alors. Rien à dire. Excusez-moi. Je vous ai mal parlé, je le reconnais. Ok, ça m'a fait drôlement mal. Alors apparemment, il n'y a aucun intérêt pour le point en question. Aïe. Aïe. C'est bête, hein. Lui, il a un canon. Ah oui, d'accord, c'est un canon pénis qu'il a effectivement. Bon, on va essayer de se heal un petit coup. Est-ce que tu veux bien faire quelque chose? Hop, merci. Comment ça doit pas être épique non plus. Ok, il vient de me faire heal en fait. Aïe, bah oui, je comprends mieux. C'est bien sympa tout ça. Ok. C'est l'heure de découper un petit peu. Ok, ça se passe assez bien. Ok, et hop, c'est fini. Bah écoutez, voilà une partie bien expéditive. Franchement, c'est assez incroyable. Bon, bah une victoire alors. Et vu la durée de l'épisode, bah écoutez, je vais en mettre une deuxième bataille. Et donc on va partir, je pense, avec mon bombardier. Un petit demi-million, c'est pas rien. Un petit demi-million, bah on part, oui, avec le bombardier, et puis on y va. Hein. Hop, play the game. Play a game. Ou play again, ça dépend comment vous voulez le dire. Hein. Et on est reparti, chers amis. On est reparti. Hop, moi je vais boire un coup. Hop. Voilà. Et on va repartir. Je vais peut-être vous faire une ellipse. La petite ellipse. La petite ellipse. Voilà, re, chers amis. Alors bien sûr aussi, j'ai quelque chose à vous dire. J'ai oublié d'en parler tout à l'heure. Il se trouve bizarrement que Robocraft ne supporte plus Fraps. Allez comprendre. Du coup, j'ai dû m'adapter avec Shadowplay pour pouvoir tourner correctement cet épisode. Donc, si vous avez le moindre pépin durant l'épisode, donc n'hésitez pas à me le dire. Hein, je serais ravi d'avoir votre retour. Normalement, il n'aura pas. Hein, j'enregistre en fait par-dessus
toutes les fenêtres. Donc au final, vous ce que vous voyez la première fenêtre qui est au-dessus de tout, hein, donc c'est-à-dire celle-ci, Robocraft. Ah, c'est cool, on commence de l'autre côté. Ah, c'était mauvais ça, je l'ai senti passer. Ah oui, avec les DCA, on va bien voir ce que... Déjà, toi, je t'ai vu. J'ai été mauvais. Donc oui, je disais donc, avec les DCA, on va essayer de rester au loin. Wow! What? Pourquoi je tombe? Ok. Oh. Touché. Touché. Je me fais toucher par une DCA. Voilà donc les dégâts de la fameuse DCA. Hop, il faudrait plutôt mieux de se coucher, je pense. Hop, merci le heal, c'est toujours sympathique. Hop. Touché. 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 Touché, je crois. Touché. 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 Explosé. Waouh, touché. Touché deux fois. Essayons d'éviter tous les dégâts pour récupérer un petit peu notre santé. On a un mec là-bas sur notre point. Ça c'est pas bon. Ok, touché. Touché aussi. Explosé. Oh, t'as du bol. Touché. Explosé. On a un mec derrière cependant les mecs, hein. Touché. Explosé. What? Touché. Ok. J'ai été spotted. Raté. Ok, touché. Touché. Est-ce que quelqu'un peut avoir cette DCA? Touché. Je crois qu'il me manque des canons. Non, même pas. J'ai l'impression de pas faire de dégâts.
Mirai, encore faut-il toucher l'ennemi. Wow. Ah pardon, excuse-moi. Je croyais que t'étais un ennemi. Touché. Ok. Raté, merde. Boum. Aïe. Balleur. Aïe. Aïe. Oh nom de Dieu, ça pue du cul. Hop là, bah c'était un véritable crash d'avion là pour le coup. Allez, heal. Merde, je suis trop con. Par contre, ouais, non, ça pue du cul là, chers amis. Ils ont clairement l'ascendant. Par contre, y'a personne, j'ai l'impression, de leur côté. Je vais longer leur côté gauche. On va bien voir, hein. Hop, GG. Excusez-moi. What? Pourquoi je peux pas tirer? Hop là, je m'en fous, c'est une attaque suicide. Foutons-leur les boules. En plus on a un de nos potes qui devrait pouvoir prendre un de leurs points normalement là. Qu'est-ce que... Mais qu'est-ce qu'ils font tous au spawn? C'est quoi ce rush spawn? Boum. Hop. Hop. Vous êtes sérieux? Hop. C'est bon, tu l'as eu? Bon. Parce qu'on a perdu quand même quelques précieuses secondes. Je veux rien dire, mais... Putain. Wow. Merci mon pote. Allez, continue, continue, t'arrête pas. Hop. Je suis seul à prendre le point. Ça y est. Est-ce que tu veux bien te redresser? Non, il veut pas.
pars même pas dans le bon sens. Hein. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Par contre, c'est une DCA là-bas. Par contre, oui, si tu veux bien. Oh la gueule! Combien de coups il lui faut dans le nez pour pouvoir commencer à. Oh! Combien de coups il lui faut dans la DCA pour qu'elle pète? J'en ai mis 3. Enfin non, 2. 2 plus 1, un canon. Faut pas mentir non plus. Enfin bon quand même. Est-ce que quelqu'un aura le courage d'aller prendre un point? Le heal t'es peut-être pas mis au meilleur des endroits toi. Ouais, c'est bien ce qu'il me semblait. Je vais aller activer celui-là. Hop. Ok. C'est mort, hein, mais bon. Hop. Ouais, ça pue, hein. Ils étaient tous là de toute façon. Bon, bah c'est un échec. De toute façon, je crois qu'on avait deux personnes en moins. Regardez, Xintar et Ayakel. Yaikei, pardon. Excuse-moi. Yaikel. Enfin bon, excuse-moi, non, on va te faire enculer parce que t'es pas resté. Putain, j'ai fait 10 kills quand même. Ah oui, je suis le meilleur de l'équipe, c'est triste. Bon bah écoutez les amis, on va se laisser là sur cette épisode. Écoutez, bah merci de l'avoir regardé, n'hésitez pas à le pouce vériser, le commenter, le partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam Joueur de la Playroom, nous faire trouver le lien dans la bannière de la chaîne, n'hésitez pas à cliquer dans le descriptif de l'épisode vers mon partenaire Gamesplanet.com qui m'a gracieusement offert le jeu. Bah non, même pas. Enfin, qui m'a gracieusement offert en tout cas Fallout 4, on va y arriver, je suis complètement défoncé pour cet épisode. Donc il m'a gracieusement offert Fallout 4, Mad Max, Star Wars Battlefront, mais aussi Agatha Christie's The Abyssinian Murders en preview, en avant-première. Hein. Et bien encore une fois, merci à eux, merci à vous pour votre sympathie et votre fidélité. Je vous rappelle que sans vous, je ne serais pas là. Encore une fois, un grand merci à vous. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour votre aventure. Salut les gens.